projet très partenarial, donc entre Seine-Saint-Denis Habitat et Est Ensemble, donc deux maîtres d'ouvrage public. Est Ensemble, c'est un établissement public territorial qui est situé en Seine-Saint-Denis, qui regroupe 9 villes donc de Seine-Saint-Denis, dont la ville de Romainville. Seine-Saint-Denis Habitat est le premier bailleur social du département avec plus de 33 000 logements. Également 21 projets de renouvellement urbain qui concentrent 1500 démolitions. C'est pourquoi nous avons développé une politique vertueuse en matière d'économie circulaire sur l'ensemble de nos projets. Seine-Saint-Denis Habitat est engagé dans une démolition zéro déchet sur la ville de Romainville, quartier Gagarine, avec l'ambition de valoriser 100% des matériaux non pollués et non amiantés. Concrètement, ça passe par la valorisation de plusieurs matériaux. Dès 2017-2018, dès la phase des premiers diagnostics, Est Ensemble, en tant que futur aménageur du quartier, donc du PRU Gagarine, a été identifié comme repreneur du parti des matériaux de Seine-Saint-Denis Habitat. Et en l'occurrence, il y avait un axe fort sur le réemploi du béton. Ma mission, c'est de m'occuper spécifiquement du réemploi du béton, puisque l'opération vise une valorisation maximale du béton sur la totalité des constructions, avec du granulat type 1 en majorité, mais une partie qui partira donc en découpe pour fabriquer les futurs pavés de l'espace public de la cité Gagarine, avec environ 1343 mètres carrés de pavés qui vont être installés au sol de la voirie dans quelques temps. La première étape, c'est la déconstruction sélective qui est assurée par Seine-Saint-Denis Habitat pour découper du coup des murs de refend et couper des pavés qui nous seront ensuite du coup cédés, nous, à Est Ensemble. Au niveau du marché de travaux, donc on a réalisé deux lots. Un premier lot curage sélectif qui permet de flécher tous les matériaux qui vont être déposés sélectivement, et donc une entreprise a répondu pour ce lot. Et un lot déconstruction réemploi qui permet de traiter donc la déconstruction et également le réemploi avec la découpe des murs de refend. L'entreprise Baruch, spécialisée dans la démolition et le désamiantage, intervient sur ce chantier démolition avec des spécificités sur le réemploi de béton, dont les pavés sur les murs de refend. Dans un premier temps, on intervient sur un ponçage de toutes les surfaces en béton. Suite à ce ponçage, on va procéder à un sciage des murs de refend pour ensuite les transporter sur un site sur lequel ils seront découpés pour faire des pavés. Nous, une fois qu'on récupère cette matière, on assure d'un traitement qui va permettre de se rapprocher des normes techniques d'un pavé neuf. Et ensuite, via du coup, les services techniques de la ville de Romainville, on les pose sur les futurs espaces publics du quartier. Ça s'inscrit dans une volonté politique de la ville de développer l'économie circulaire et pour avoir une réflexion territoriale sur le réemploi des matériaux. En dehors des sujets liés au béton, on a aussi des sujets de réemploi sur d'autres éléments du bâtiment, en particulier les dalles granito qui constituaient le revêtement des marches des parties communes et qui sont parties pour réaliser une partie des revêtements de sol de la maison des canaux lors du projet de réhabilitation qui a concerné le rez-de-chaussée. Et d'autres matériaux comme par exemple certaines portes, certains éléments de sanitaire qui ont trouvé preneur de manière un peu diffuse.